je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale, totalement dans le thème de l'été, qui est une vidéo comment combattre les mouches. Vous n'êtes pas sans savoir que Mala est très très sensible aux mouches et au thym. Elle est simplement allergique aux piqûres de mouches et de thym, chose qui est quand même le comble pour un cheval. Je suis désolée s'il y a des apparitions de chats, je suis chez ma grand-mère. Enfin bref, parenthèse sur ça. C'est vraiment la galère de trouver des produits qui protègent vraiment et qui durent plusieurs heures et qui du coup protègent Mala au quotidien. Personnellement, j'ai trouvé la solution, c'est pour ça que je voudrais vous en faire part dans une vidéo. J'ai vécu un partenariat avec la marque Raven, qui est une marque que j'apprécie énormément. C'est des produits que j'utilise au quotidien et que j'utilisais déjà depuis plusieurs années. Donc quand ils m'ont proposé d'être partenaire avec eux, j'ai bien sûr tout de suite accepté. Donc cette année, ils m'ont envoyé toute la gamme de produits Emouchin, histoire de pouvoir voir quel produit conviendrait le mieux à Mala et la protégerait au mieux. Donc moi, je vais vous présenter ces produits, les routines, pourquoi je les utilise. Donc c'est parti, let's go. J'ai donc différents produits à vous parler, certains que j'utilise moins que d'autres. Et en fait, de tous les produits qu'ils m'ont envoyés, j'ai différentes routines en fait, parce qu'il y a de l'Emouchin total, il y a de l'Emouchin verte, des produits que j'utilise quand il y a peu de mouches, beaucoup de mouches, énormément de mouches. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc du coup, la vidéo sera sous forme un petit peu de revue, test. Donc en gros, je vais parler, je vais vous expliquer l'utilité des produits. Et ensuite, en même temps, vous aurez des images de comment je les applique, comment je les utilise et quels sont les effets. Donc, pour commencer, un produit que j'utilise dans une routine, qui est ma routine un petit peu de tous les jours contre les mouches. Donc, quand il y a peu de mouches ou un petit peu, mais pas énormément. Le premier produit qui est le roll-on anti-mouche Emouchin, du coup, de chez Raven, qui protège... qui est une protection des zones sensibles, insectes volants, convient aux chevaux et aux cavaliers. Donc personnellement, je ne l'utilise pas sur moi, simplement parce que moi je me mets tout simplement de la citronnelle en fait sur moi. Donc comme ça se dit, ça, c'est sous forme en fait de roll-on, donc comme un déodorant, et c'est vraiment super pratique. Moi je l'utilise principalement pour la tête, donc je fais un cercle autour des yeux, comme vous le verrez sur les images, et je redescends jusqu'aux naseaux et je fais un petit peu autour des naseaux. Donc ça, c'est un produit que j'affectionne beaucoup et que j'achète depuis plusieurs années maintenant. Ensuite, nous avons l'Emouchin vert en spray. Donc répulsif tout insecte, effet immédiat, odeur fraîche, extrait naturel de phyréthène et... Bon, on va pas essayer de prononcer ça, vous verrez sur le close-up. Donc c'est un spray Emouchin vert du coup, qui est moins puissant que l'Emouchin total, c'est pour ça que je l'inclus en fait dans une routine où il y a moins de mouches. C'est un produit qui fait énormément effet, mais quand même moins que l'Emouchin total, et en fait moi je l'apprécie énormément dans le sens où l'odeur est beaucoup moins forte et beaucoup plus agréable à appliquer, et également pour le cheval. Donc quand il y a peu de mouches, ce produit suffit amplement. Donc si vous êtes dans une région où il n'y a pas énormément de mouches, ce produit vous conviendrait parfaitement. Donc ensuite, personnellement moi dans cette routine, j'inclus un produit qui ne sera pas utile à tout le monde, qui est l'Emouchin d'Hermelay, donc qui est un lait d'ermite estival, efficacité dermoactive, protège les zones atteintes. Personnellement, Mala, ce n'est pas de la dermite qu'elle fait, c'est vraiment de l'allergie aux mouches et au thym. Mais ce produit est quand même parfait dans le sens où c'est un lait pour protéger et pour empêcher les démangeaisons du cheval. Donc sur toutes les plaques à Mala, surtout en fait Mala a principalement des plaques au niveau du dessous des yeux et principalement derrière les oreilles. Après elle en a un petit peu sur le corps, mais c'est plus des cloques en fait dues aux piqûres. Et c'est vrai que ce produit je l'adore parce qu'en fait ce qui fait que Mala se gratte moins et ça la démange beaucoup moins. Donc je l'applique deux fois par semaine personnellement. Donc voilà, donc pour tout ce qui est chevaux atteints de dermite, moi je n'ai pas essayé sur un cheval atteint de dermite, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Mais c'est vrai que pour ma jument qui a des démangeaisons, même pour des chevaux qui ont été piqués par des mouches ou des thym qui ont des démangeaisons, je pense que ce produit peut être totalement adapté. Ensuite, l'Emouchin gel, donc du coup comme son nom l'indique, c'est un tube qui se présente sous forme de gel, protection des zones sensibles, tout insecte, convient aux chevaux et aux cavaliers. Donc en gros c'est un petit peu comme l'Emouchin roll-on, sauf que c'est présenté sous une autre forme, et en fait ce produit personnellement je l'aime énormément pour le mettre entre les antérieurs ou entre les postérieurs.
Vous pouvez le mettre entre les posters. Moi, je ne peux pas, étant donné que Mala allait Hermione. Donc voilà, c'est trop risqué que Hermione lèche le produit, donc je ne préfère pas en mettre. Mais c'est vrai que moi, j'en mets souvent entre les antérieurs ou sinon au niveau de la gorge. Au niveau de la gorge, parce que c'est vrai que souvent Mala a des piqûres ici. Et le roll-on, le gel est plus facile en fait à piquer entre les antérieurs et sous la gorge du cheval plutôt que le roll-on. Donc je préfère pour cette utilité. Ensuite, un autre produit qui est un shampoing. Comment parler d'été sans parler de shampoing? Donc qui est le shampoing protecteur. C'est un shampoing qui sent extrêmement bon, hein, clairement. J'adore, genre ça sent vraiment les fleurs, t'as l'impression d'être dans un champ, il y a des fleurs partout. Enfin bref, j'aime beaucoup. Et en fait, j'utilise ce produit quand il y a énormément de mouches et que Mala est assez sale. Donc du coup, je la douche avec ce produit et ensuite, je lui applique un spray anti-mouche, donc qui en général est les mouchines totales. Après, au niveau de la routine, en fait, c'est soit j'utilise les mouchines vertes, soit j'utilise les mouchines totales. Mais sinon, ma routine est composée toujours de les mouchines gel, les mouchines roll-on et les mouchines dermelay. Donc voilà, ça c'est trois produits que j'utilise tout le temps. Après, j'alterne entre les deux sprays selon le nombre de mouches. Et quand il y a beaucoup de mouches, je fais un shampoing Mala avec ça, qui est vachement sympa dans le sens où en fait, c'est un shampoing qui protège en fait des piqûres, qui protège, qui est moins de mouches autour du cheval, donc qui laisse une odeur qui est désagréable en fait pour les temps et les mouches, mais qui en même temps n'est pas une odeur genre on sent mou en fait. Je sais pas comment expliquer, il y a des plantes à mon avis à l'intérieur qui font qu'elles repoussent les mouches, mais en fait cette odeur est agréable pour nous, donc notre cheval sent bon, quand on le douche ça sent bon, mais ça repousse les mouches et les temps. C'est pas genre comme les produits... Moi j'avais un produit qui était que j'avais acheté à Gamme Vert, que je vous avais présenté l'année dernière, je vous mettrai en petit. Alors ce produit est super, il repousse les mouches et les temps genre pendant toute une après-midi, par contre pas plus. Mais qu'est-ce que ça pue? C'est un truc de fou. Alors que ce produit c'est pas du tout le cas et il est très facile à appliquer, très facile à shampouiner, très facile à rincer et j'adore. Je vous avouerai que c'est un peu mon shampoing de l'été et que cette année je n'ai pas racheté les shampoings Fugenza. Parce que du coup j'utilise tout le temps celui-là. Ensuite donc du coup le dernier spray et le dernier produit que j'ai à vous présenter, parce que j'en ai reçu un autre mais en fait je vais vous expliquer pourquoi je ne préfère pas l'appliquer. Donc ce produit qui est les mouchines totales de chez Raven, protection totale insectes et volants. Alors moi je ne l'utilise pas énormément mais je l'utilise quand il y a vraiment 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 beaucoup de mouches. Ce qui est surtout le cas pendant les heures les plus chaudes de l'après-midi. Donc des fois ça m'arrive de mettre de l'anti-mouche le matin et d'en remettre quelques sprays que celui-là l'après-midi. Donc c'est un produit qui est super efficace. Franchement, je parle aussi envers ceux qui sont au championnat de France. Si vous voulez un bon répulsif quand vous êtes au championnat de France, franchement achetez celui-là. Il est génial. Moi j'avais, il y a un an et demi, j'en avais parlé sur ma chaîne comme quoi je n'aimais pas ce produit. Parce qu'en fait je pensais que Mala avait fait une réaction allergique due à ce produit en fait. D'où les plaques, les trucs derrière les oreilles et tout. Et en fait, après des examens plus poussés, c'est tout simplement une allergie aux mouches et aux temps. Donc ce produit n'y est totalement pour rien. Donc il y en avait qui m'avaient dit, mais tu utilises ce produit alors que tu avais dit qu'il était pas bien. Non, j'ai totalement changé d'avis dessus parce que je me suis rendu compte que ça avait rien à voir avec le produit en fait. Donc voilà. Et ensuite, ils m'ont envoyé un dernier produit qui est les mouchines fortes. Alors ça... Comment dire que c'est un tube en métal, donc déjà tu te dis que ça pue pour que ça soit mis là-dedans. Et franchement faut pas ouvrir le bouchon quoi, clairement faut pas ouvrir le bouchon. Alors c'est un truc en fait qu'il faut diluer dans l'eau, genre un volume d'eau pour 5, un volume des mouchines pour 5 volumes d'eau. Utiliser un chiffon doux ou des gants, premier usage, effectuer un essai sur un support. Donc en fait c'est un produit qui est très très fort. Qui est très très fort mais qui est très très radical. Personnellement je ne l'ai pas testé, mais moi c'est des avis d'amis etc qui m'ont dit qu'il était vraiment radical. Donc c'est une odeur persistante qui dure longtemps, ça peut tacher les vêtements. Donc en fait il y a beaucoup de choses qui me repoussent envers ce produit et en fait je ne préfère pas l'utiliser étant donné que c'est un produit qui est très très fort. En fait j'ai peur que Hermione vienne à lécher un support ou quelque chose où il y a eu ce produit et que ça lui fasse une intoxication, quelque chose comme ça.
Donc, personnellement, je vais garder en stock. Je verrai pour l'utiliser quand Hermione ne sera plus avec Mala et l'utiliser du coup sur Mala. Parce que je pense que ça peut être un produit qui est très bien. Mais personnellement, moi, ayant une jument avec une jeune pouliche d'un mois et demi, je ne préfère pas utiliser ce produit. J'ai vu que, je crois que c'est Carnet d'une cavalière qui avait fait une vidéo où elle présentait ce produit et où en fait elle disait qu'elle, elle le mettait dans un cheat et elle l'absorbait en fait sur toutes les parois du box. Alors je trouve cette idée juste fantastique, mais étant donné qu'Hermione lèche les murs, c'est pareil, je ne peux pas le faire. Mais je pense que pour les gens qui ont des chevaux qui sont assez sages et qui ne vont pas lécher un mur dès qu'ils sentent une odeur, genre comme un poulain, je pense que ça peut être un produit assez sympa pour éviter qu'il y ait des mouches dans le box. Donc moi voilà, donc je vous ai fait ma petite explication de tous mes produits anti-mouches pour l'été. Donc je tiens à remercier la marque Raven qui m'a envoyé tous ces produits. Franchement je suis ravie d'avoir collaboré avec eux encore une fois parce que c'est des produits que j'adore et que j'affectionne énormément. Dans ma boîte de pensage, je pense que même il y a 2 ans, avant que je commence ma chaîne YouTube, vous auriez ouvert ma boîte de pensage, il n'y avait que du Raven. Clairement c'est des produits que j'affectionne énormément et qui sont assez abordables niveau prix. Donc je vous mettrai le site Raven dans la barre d'infos, les liens des produits si vous voulez les commander. Après ils sont vendus dans énormément de selleries. Par exemple Decathlon, Horsewood, Paz, vous trouverez de partout des produits Raven, donc ça sera vraiment pas difficile pour vous de les trouver si vous voulez en acheter certains. Donc moi je vous ai fait part de mes petits conseils, j'espère que ça vous aura aidé pour combattre les mouches et les temps pendant l'été. Et sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye.